Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017. Et aujourd'hui, déjà, j'espère que vous allez très bien, que vous avez la grosse patate, la grosse forme. Nous, on a terminé le gros événement, la One Week pour parler anglais, pour débloquer votre anglais. Notre événement, le seul événement qui allie le coaching d'anglais et le développement personnel. Ça, c'est terminé. Toute la team est hyper heureuse de cet événement. Apparemment, vous avez adoré. Merci si vous avez participé. Merci pour tous les messages que vous nous avez envoyé, vous avez été adorable. Donc voilà, ça se termine, mais il y aura plein d'autres surprises pour vous. On a reçu plein de messages et du coup on a plein d'idées pour vous aider encore plus. Aujourd'hui, du coup, on va parler de quoi ? On va parler de comment parler anglais, comment apprendre l'anglais grâce à 13 chaînes YouTube à découvrir dès maintenant dans cette vidéo, que vous soyez à un niveau débutant ou un niveau avancé. Donc je vais partager avec vous des chaînes YouTube pour pimper votre anglais, pour apprendre dans le fun, dans la joie, avec des ressources que vous aimez, parce que c'est vraiment ça notre pédagogie. On vous pousse pas à apprendre la liste des verbes irréguliers. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, je vous invite à télécharger tout de suite votre kit de démarrage pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage d'une langue. Il est à télécharger ici ou juste en dessous. Je vous mets le lien dans la description. Vous saurez, je vais vous partager toute ma méthode pour savoir comment bien démarrer ou redémarrer. Alors, pourquoi je vous partage ces ressources ? Eh bien, parce qu'elles vont vous permettre d'améliorer, de booster votre compréhension orale, votre compréhension écrite. Si vous ajoutez les sous-titres, je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment organiser tout ça dans votre apprentissage. Et surtout, le troisième pilier qui est essentiel et qu'on néglige souvent grâce aux vidéos, eh bien, c'est la prononciation. Parce que oui, votre prononciation, votre manière de parler dépendra de ce que vous allez écouter, de ce que vous allez entendre, et parce que on a tout simplement des neurones miroirs qui permettent de répéter ce qu'on entend. C'est comme quand vous voulez chanter une chanson ou quand vous voulez reproduire un morceau à la guitare, et bien vous avez besoin de l'écouter pour ensuite le répéter. Ou alors c'est comme quand vous allez par exemple au Canada ou en Belgique et vous revenez avec l'accent canadien ou l'accent belge, et bien c'est exactement la même chose. Vous avez besoin d'écouter, d'être en immersion totale, en immersion tout le temps avec la langue, avec l'anglais pour pouvoir, parler correctement. Donc c'est parti, je vous partage ces ressources. Alors, comme je vous ai dit, il y aura des ressources pour des niveaux débutants jusqu'à un niveau avancé. Et il y a différents accents, américain, british, et voilà. Donc je vous laisse choisir dans tout ce panel. Donc la toute première, les premières chaînes, ça sera les tutos de Witto. Alors ça, c'est une chaîne à regarder si vous êtes plutôt débutant en anglais. C'est une chaîne, c'est un français, c'est un prof d'anglais qui vous partage toutes les règles de grammaire, de conjugaison. Il les simplifie au maximum pour que ça soit compréhensible. Donc je vous invite vraiment à regarder sa chaîne, elle est excellente. Après, si vous voulez augmenter un petit peu le cran, c'est-à-dire que si vous voulez écouter ce genre de vidéo mais plutôt en anglais, vous avez différentes chaînes. Et bien il y a par exemple Speak English with Vanessa, qui est de la même manière des règles en anglais, de conjugaison, de grammaire, tout ça, mais en anglais. Et vous avez aussi plutôt, si vous voulez écouter avec un accent plutôt british, ça sera Love English with Layla and Sabra. Je vous mets tous les liens, tous les titres en description, comme ça vous aurez tout par écrit, vous n'aurez plus qu'à aller voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, il y a une autre chaîne qui est excellente aussi, c'est tout simplement Easy English. En fait, ce sont des conversations de la vie de tous les jours, ce sont des interviews qui sont faites dans la rue, des questions qui sont posées à des passants. Vous avez les sous-titres, vous avez du vocabulaire assez simple pour vous permettre de comprendre. Et donc ça vous permet justement d'écouter des conversations de tous les jours. Et si vous voulez pousser un peu l'exercice, en dessous de ces vidéos, ce qui est excellent, c'est d'aller mettre des commentaires en anglais, comme ça vous pratiquez votre expression écrite. Donc là, on est vraiment dans une phase, dans des vidéos, dans des chaînes YouTube qui vous permettent, qui sont dédiées à l'apprentissage, donc vraiment dédiées à l'apprentissage de l'anglais. J'en ai deux autres à partager avec vous. Il y en a une qui est excellente, c'est surtout le compte Instagram. Il y a la chaîne YouTube et le compte Instagram qui est excellent. Si vous voulez améliorer plutôt votre prononciation ou votre accent, c'est
accents way with Adar. Alors, c'est une Adar. C'est une non-native. Elle n'est pas native en anglais, mais elle est un... On dirait native. Elle a un superbe accent et surtout, elle vous donne des super pépites dans le fun, dans la joie, dans la bonne humeur, un peu dans les mêmes valeurs que le marathon des langues pour justement booster votre prononciation. Et ensuite, la dernière par rapport à l'apprentissage, après je vous donnerai des ressources à un niveau plus élevé, c'est Learn English with TV Series qui, en fait, ce sont des morceaux de séries qui sont décortiqués, donc toutes les séries, nos séries préférées, avec les sous-titres, les vocabulaires, le vocabulaire, des expressions du quotidien. Voilà, vraiment tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir pratiquer la langue du quotidien, de tous les jours, et pas la langue des livres. Donc maintenant, si vous êtes plutôt dans un niveau intermédiaire, ou que vous êtes plutôt à un niveau intermédiaire avancé et que vous voulez lever le curseur un peu plus haut pour aller plus loin, eh bien, je vous invite à regarder des chaînes qui ne sont pas dédiées à l'apprentissage, mais qui sont des chaînes naturelles pour les natifs. Donc vous avez par exemple les TED Talks. Tout simplement, ça c'est excellent parce qu'en plus, donc vous avez plein de sujets, culture générale, du développement personnel, du business, enfin voilà, il y a vraiment tout type de sujets. Et en plus, j'ai découvert ça il y a peu de temps, il y a une application qui s'appelle TED Talk que vous pouvez avoir tout le temps sur votre téléphone avec vous, donc ça c'est top. Vous avez également, plutôt sur la culture générale, vous avez deux chaînes, c'est le Smithsonian et vous avez National Geographic. Donc ça c'est pareil si vous voulez vous cultiver en même temps, donc ça c'est top. Vous avez également des vidéos que moi j'adore regarder, c'est un peu mon booster du matin pour démarrer ma journée dans la bonne humeur et dans la motivation. C'est Let's Become Successful. Ce sont des vidéos de motivation, ce sont des extraits d'entrepreneurs à succès, les meilleurs conseils d'entrepreneurs à succès pour vous permettre d'atteindre tout ce que vous voulez atteindre dans votre vie. Et dernière chose, alors c'est pas des chaînes que je vais vous donner, mais plutôt des idées pour trouver encore plus de chaînes. C'est tout simplement de faire la liste de vos mentors, des personnes que vous aimez, des anglophones évidemment. Pour moi, je vous donne un exemple. Moi, j'aime beaucoup le développement personnel et tous les trucs de motivation. Donc, j'écoute beaucoup de vidéos d'Oprah Winfrey, de Tony Robbins, le numéro 1 du développement personnel aux États-Unis. Et vous avez Liz Brown, que j'ai découvert il y a peu de temps, qui est plutôt sur des discours de motivation. Voilà, là c'est vous pouvez l'intégrer en plus dans votre morning routine, ça vous permet de vous booster, c'est en anglais, vous voyez, vous avez plein de bénéfices en même temps, donc ça c'est nickel pour progresser. Et tout ça, alors c'est bien d'écouter des vidéos, c'est bien d'avoir les sous-titres en anglais, de noter les mots de vocabulaire et tout ça, mais ce n'est pas suffisant de juste se poser devant son écran et regarder passivement. Pour ça, je vous ai fait une autre vidéo justement dans laquelle je vous explique comment organiser votre apprentissage au quotidien avec d'autres ressources, parce que évidemment tout ça, ce ne sont que des pièces du puzzle, donc il vous faut organiser tout ça pour que ça puisse vous permettre d'élever les différents piliers de la langue. Et je vous ai fait également, donc je vous mets le lien là pour l'autre vidéo, et il y en a une autre où justement je vous explique comment jouer, comment apprendre grâce à ces vidéos. Donc ça c'est une vidéo que j'avais fait pour vous expliquer comment atteindre les niveaux avancés, les niveaux C2. Si vous en êtes pas encore là, je vous invite quand même à aller voir cette vidéo, je vous la mets ici, elle vous permettra de voir comment utiliser ces vidéos pour optimiser et pas juste passer des mois à regarder passivement et à être frustré au bout de quelques mois en vous disant que finalement je progresse pas comme je le pensais. Donc voilà, je vous invite vraiment à varier toutes vos ressources, à mettre tout ça en application. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres chaînes en anglais que vous aimez regarder. Comme ça permettra de partager ça auprès des autres personnes qui nous regardent. Et je vous demande s'il vous plaît de liker, de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Si vous la partagez, ça me permettra d'être encore plus visible, d'aider encore plus de personnes. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !